Bien, donc on va terminer notre MCD avec le travail sur RG6 et RG7. On va commencer par RG6, qui est quelque chose qui n'apparaît absolument pas dans le tableau, puisqu'on nous parle d'une certaine date d'échéance. Et là, la date d'échéance, si vous regardez, elle n'y est absolument pas. Donc c'est pas ce dossier-là qui va, c'est pas ce document-là qui va vous aider. La seule chose qui vous aide sur la date d'échéance, c'est ça. C'est qu'un planning des missions est tenu à jour. Il indique pour chaque mission liée à un dossier la personne infectée ainsi que la date d'échéance à ne pas dépasser. Alors, petite précision, on est actuellement en Meurize 1. On n'a pas encore travaillé sur les extensions du modèle. Donc, on va rester sur du Meurize 1. Si vous êtes spécialiste de Meurize, la version que je vais vous donner, elle n'est pas satisfaisante, puisqu'il faut travailler en Meurize 2 pour vraiment être précis. Mais là, on va faire en Meurize 1. Alors, on nous dit quoi? Que pour chaque mission liée à un dossier, donc c'est-à-dire qu'il y a un lien entre mission et dossier, une mission, elle est liée à dossier. Donc, on a un lien déjà entre mission et dossier. Il y a une personne qui est affectée aux missions par dossier. Et on vous dit que pour ces trois informations-là, on gère la date d'échéance à ne pas dépasser. Alors, je le répète, on est en Meurize 1, donc on va faire une ternaire, on se contente de ça. Je vous ai dit également que des ternaires, maintenant, on doit plus vous demander de les comprendre que de les bâtir. Je reste sur mon idée, et sur mon affirmation. Mais à l'époque, on vous demandait aussi de les créer. Et c'est pour ça que le sujet était difficile, hein, et ça, c'est le premier point difficile. Donc ça veut dire qu'il va falloir gérer la date d'échéance qui dépend de personnel, de mission et de dossier. Ce qui veut dire que la date d'échéance, physiquement, elle est ici. Donc comme tout à l'heure, je vais couper ma vidéo pour simplement mettre tout ça au propre. Voilà, donc je reprends. Donc j'ai mis mon association que j'ai appelée affectation, ce qui me paraissait cohérent. J'ai mis du 1N entre personnel et ça, entre dossier. J'ai juste mis ici éventuellement des missions sans dossier. Pour les spécialistes hein, qui vont tiquer un peu, la faille hein, de ma représentation en Meurize 1, elle est évidemment ici. En fait, c'est une agrégation pour les spécialistes, donc ça, on verra ça beaucoup plus tard, donc ne vous inquiétez pas. Donc ça veut dire on a travaillé sur cette information-là. Maintenant, il va nous rester ça, commentaire, date du jour, nombre d'heures, et en fait, c'est ces trois informations-là, nombre d'heures, commentaire et la date. Alors, on va tricher dans un premier temps et on va travailler sur ça. On va dire, bah, ça c'est une tâche. Toutes ces lignes-là, hein, c'est un détail des tâches. Je comprends pas pourquoi en fait le sujet, le caractère officiel vous a pas travaillé comme ça me paraissait beaucoup plus simple, mais c'est pas grave. Donc ici, bah, vous avez une liste de tâches. Ce qui vous manque, bah, c'est le code de la tâche, hein, vous avez rien. On peut pas mettre comme identifiant la date 21-10, 21-10, 21-10. Donc ça vous interdit d'utiliser la date comme identifiant. Ici, on vous donne des informations à gérer, commentaires, date de jour, nombre d'heures. Donc moi je vais tricher, hein, je le répète, et j'ai créé une entité tâche avec la tâche code, donc qui n'apparaît pas là, tâche date jour, donc c'est en fait j'ai utilisé ce qui est là, le commentaire, donc ce qui est là, et le nombre d'heures que j'ai oublié de vous mettre en fait. Donc je vais le mettre comme ça, NB. Voilà, et donc mon entité elle est là, et cette entité là en fait, donc ça me permet de terminer en fait, c'est-à-dire que j'ai enfin tout positionné. Ça me permet bah, de gérer chaque ligne de ce tableau. Donc, ça c'est une tâche a lieu une certaine date. Il faut que je dise qu'une tâche elle est liée à un dossier, donc je vais faire un lien entre ma tâche et mon dossier. Là, sur la tâche intervient une certaine personne. Vous voyez, c'est pas très joli, hein. Bon, je mettrai ça au propre tout à l'heure. Donc là, bah, je retrouve bien ça. Il y a une mission sur la tâche. Ma mission, elle est là-bas. Alors là, ça va être affreux parce qu'il va falloir que, vous savez, vous me connaissez, il va falloir que ça va se couper. Donc j'ai horreur de ça. Bon, pour l'instant, c'est tout en vrac, c'est normal. J'ai des missions, j'ai l'heure et le commentaire donc, qui sont là-dedans. Et là, bah, je suis bon, j'ai tout positionné. Donc pareil, je vais couper ma vidéo et puis je vais mettre ça au propre. Bien, donc me revoilà. Donc vous voyez, j'ai bien modifié mon MCD. Alors j'ai un peu galéré pour pas que ça se coupe. Hein. Vous savez que j'ai horreur de ça. Bon, ça c'est l'ancienne école, hein, je vous le dis. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? Ben, j'ai dit qu'une tâche, elle était réalisée par un et un seul personnel. Hein, c'est ce qui est ici. Donc sur une ligne, ben, vous avez bien qu'une seule personne. Elle prend en charge qu'une seule mission.
Elle concerne qu'une seule mission. Le problème, c'est qu'après, je suis un peu court au niveau des synonymes. Et qu'elle concerne qu'un seul dossier. Là, voilà. Et pour une tâche, eh ben, j'ai le nombre d'heures et le commentaire. Le nombre d'heures, le commentaire et la date du jour qui est là. Voilà. Et donc, ça, c'est la solution qui me paraît le plus simple et qui est techniquement valable, évidemment. Je vous conseille, moi, de comprendre surtout celle-là. En fait, ce qu'il faut repérer, c'est qu'en fait, pour être très clair, vous avez un détail des tâches et que chaque ligne, c'est une tâche. Donc, ce qui manque, en fait, dans ce sujet-là, et je pense très sincèrement que c'est le même sujet à l'heure actuelle, on aurait rajouté tâche code et puis tâche commentaire, etc. Ça aurait été beaucoup plus facile. Mais à l'époque, on n'avait pas ça. Donc, dans la vidéo prochaine, bah, je vais vous montrer comment exploser ça et cacher ça. Et ça va être encore plus compliqué, évidemment. À tout de suite.